Camerounaise de football, je vous installe dans vos fonctions de président de la Ligue nationale de football. Brice Bikar-Djambou est le nouveau président de l'ALINAF, la Ligue nationale de football. Il a été élu par les représentants des clubs de première division et deuxième division ce 27 mars dans un hôtel de la place. Ce sont 28 présidents de clubs au total qui ont voté le nouveau président qui a totalisé 21 voix contre 4 pour Guimbina et 3 pour Joël Anissé Birinda, le président sortant. Brice Bikar-Djambou a dit être le président de tout le monde. Je suis le président de tout le monde. Je ne ménagerai aucun effort pour être à votre service et pour être au service du football. Conscient de la lourde tâche qui l'attend, Brice Bikar-Djambou a tenu à installer instantanément son bureau directeur. Je voulais également, séance tenante, avec votre permission, au regard des enjeux que nous connaissons avec le démarrage du National Foot, procéder, séance tenante, à l'installation des membres de mon bureau directeur. Durant sa campagne électorale, Brice Bikar-Djambou a divisé les 4 prochaines années de son mandat en 3 phases. Les priorités de 2015 à 2016, l'envol de 2016 à 2018 et le professionnalisme de 2018 à 2019. Il est donc attendu au pied du mur.